quand on est un tailleur, on ne taille pas pour valider l'idée d'avoir une baguette cette année. On taille pour être sûr d'avoir une belle baguette l'année prochaine. Ce qui se passe cette année, c'est déjà joué, c'est sur le cep. Ce que l'on veut, c'est repérer les beaux bois qui vont fabriquer nos bois de l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que si je veux être sûr que l'année prochaine, j'ai quelque chose qui soit dans le sens du rang, il va falloir que je trouve le bourgeon orienté correctement sur le dessous qui va me faire mon allongement l'année prochaine. Donc là, a priori, ce serait celui-ci, bourgeon. Là, j'ai un entrecœur que j'ai coupé et j'ai un bourgeon ici. Si l'année prochaine, j'ai celui-ci qui démarre, je vais me retrouver avec un cote qui va se faire ici l'année prochaine, d'accord? Ok. Donc là, on a allongé de 2 cm. Bien sûr, on allonge tous les ans. On allonge dans le sens du circuit de sève. C'est-à-dire que là, de là jusqu'à mon prochain courson, j'ai une fluidité qui se fait pour pérenniser ma plante. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon courson qui se fait ici, mais ça va vous provoquer, et ma baguette qui se fait ici l'année prochaine. Donc ça, c'est un peu compliqué pour vous parce que j'ai mis mon courson après ma baguette. Alors ça, c'est la recette qu'on nous a dit de surtout pas faire. Mais il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'elle veut dire cette recette? Demain, on en reparlera de cette recette-là. Dans le meilleur des cas, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire en sorte d'avoir son premier œil donc sur le dessous. Si on ne veut pas celui-là, je vais sortir de l'impasse en me disant que je vais faire mon courson comme ça et que ma baguette sera ici l'année prochaine. Là, ça vous choque un peu moins tout de suite puisque du coup, j'ai ma baguette après mon courson. D'accord? Ça te choque parce que c'est long. Et là, il est à l'extérieur et il va sortir. Bon, ouais, on est d'accord. On est d'accord. On essaye de ne pas faire ça, de ne pas sortir ce bois ici. Mais bon, malgré tout, c'est plus sur le concept là hein, que sur la direction. Simplement, ce que je veux, moi, c'est que celui-là démarre correctement l'année prochaine. Bon, moi, personnellement, je m'en fous que ma baguette soit avant mon courson, sur mon courson. Ça ne me pose aucun problème. Vous verrez, on en discutera pourquoi. On verra ce que ça impacte et ce que ça produit. Donc là, je suis sûr d'avoir un courson et une baguette pour l'année prochaine. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, là, il est ni dessus, ni dessous, ni avant, ni après. Ils sont sur les côtés tous les deux. Hein. Donc c'est un peu délicat de dire qui c'est qui est dessus, qui c'est qui est dessous. De l'autre côté, je me retrouve avec la même chose ici, avec mon courson là et ma baguette ici. J'ai encore une fois une inversion, pas de bol. Avec mon courson dessous et ma baguette dessus. Ça ne va pas être le cas systématiquement. Donc là, je fais ça, c'est une prise de risque parce que en fait, quand je fais ça, je n'ai pas choisi les deux plus beaux bois, je n'ai pas fait des baguettes avec. Vous allez me dire, ouais, mais bon, on est censé quand même faire du fruit là. Le truc, c'est que bon, là, c'est le gel, hein. Il y a le gel qui a généré ça. C'est-à-dire que si on prend là-dessus, il faut être confiant, savoir si est-ce que oui ou non ce sarment-là est fructifère. Est-ce que oui ou non ce sarment-là est fructifère. Donc, si on prend les livres, on se dit, ben, c'est fructifère ce qui a poussé sur du vieux bois. Mais bon, là, on est systématiquement sur des contre-bourgeons. Donc, en fait, l'année où il a gelé, c'est extrêmement compliqué de savoir qu'est-ce qui est fructifère, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est extrêmement compliqué. La seule manière de savoir, c'est sur une parcelle de prendre le temps, de prendre des bourgeons, de les disséquer, de les mettre au microscope et de regarder s'il y a des fleurs ou s'il n'y a pas de fleurs. C'est la seule manière qu'on a de le savoir. Ce que je veux, c'est de sortir de cette situation-là où j'ai pas trop de choix. Ce que je veux, c'est me retrouver avec un cote et une asse l'année prochaine ici, un cote et une asse l'année prochaine ici. C'est ça que je veux faire, absolument. Donc, le seul moyen que j'ai, c'est de choisir sur mon flux de sève les deux qui sont le mieux placés pour fabriquer ça. Comme ça, l'année prochaine, je suis sûr d'avoir des bonnes baguettes et des bonnes astes. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je vais regarder ici, ça va être complètement aléatoire. Parce qu'en fait, l'année dernière, on n'a pas spécialement eu comme intérêt de faire sortir un courson dans le flux ou alors un bois dans le flux de sève. Vous voyez, d'ailleurs, de ce côté, il n'y en a plus. Mais c'est pas nécessairement une volonté de le faire. Là, ça a été le cas. Mais là, pas. Donc en fait, ça va être aléatoire. Il faut sortir de ce côté aléatoire. Et la seule manière de sortir de ce côté aléatoire, c'est de se dire, je fais d'abord les coursons pour être sûr d'avoir des bons coursons et des bonnes baguettes l'année prochaine. Et après on voit. C'est-à-dire que sur l'année de transition, parce qu'il y a une année de transition, sur l'année de transition, on prend la baguette après où on peut. Vous inquiétez pas, je vais vous donner une autre possibilité. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire
ce qu'on appelle une aste sèche, mais c'est plus risqué et ça, c'est moins fiable sans faire de courson. Voilà. Donc une aste sèche, c'est un... Là, par exemple, si je fais une aste sèche ici, c'est-à-dire que je vais faire une aste avec les deux premiers bourgeons que je vais forcer à démarrer en enlevant le 3 et le 4 pour être sûr que les deux premiers démarrent. Donc j'ai en quelque part un courson prolongé par une aste. Comprenez? En faisant ça. Donc je suis sûr d'avoir mes deux bois l'année prochaine, et ces deux bois-là, j'aurai un bois ici et un bois ici qui feront mes bois de taille l'année prochaine. Et donc forcément, je continue à avancer et à allonger, hein, ça. Si tu veux enlever ça, donc ça pour moi c'est un espèce de retour, mais pour moi il est super mal placé, parce qu'en fait si je fais ça, ça veut dire que je fais une plaie là en quelque part l'année prochaine. Si je fais une plaie là, ça veut dire que sur la trajet de sève, ben j'ai une plaie, donc ça circule plus. Je veux plus faire de plaie dessous, donc je fais que mes plaies dessus. Donc dans ce cas-là, si je veux supprimer ça, je vais plus jamais utiliser ce genre de choses-là, hein, puisqu'en fait, si j'utilise ce genre de choses-là, c'est ce qui fait que ça meurt un peu partout, hein, parce qu'on utilise ça et qu'on fait des grosses plaies. Si vous avez besoin qu'on genre découpe, j'en redécoupe, hein. Donc là, on va se retrouver à supprimer celle-ci, mais je ne vais pas couper plus que ça, parce que je veux laisser cette partie-là vivante. Je peux même aller un petit peu plus loin ici. Mais je ne vais pas raser, parce que si je rase, j'attaque les vaisseaux qu'il y a en dessous, là, ici. Donc je vais laisser ça. Ça va pamper, certainement. Hein. Ça va pamper. Mais c'est pas moi qui suis responsable de ça. C'est le fait d'avoir laissé ça au mauvais endroit, au mauvais moment, à un moment, il y a 2 ans. Donc là, normalement, on devrait se resituer. On n'aurait pas dû monter non plus comme ça. On devrait se situer plus loin. Et on devrait tout le temps avoir... au lieu d'avoir 2 yeux parce qu'on avait laissé un courson, on n'en avait qu'un et on devrait déjà être un peu plus loin. D'accord ? Donc en fait, il faut accepter d'avancer de cette manière-là. Sinon, on va se retrouver avec des grosses mortalités. Vous voyez comme c'est mort sur le dessus là ? C'est mort sur le dessus parce qu'on a fait cette grosse plaie là. Comme celle qu'on ferait ici là, si on avait eu un courson ici. C'est pour ça que c'est mort sur le dessus. C'est le coup de sécateur. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter maintenant. Et donc pour éviter ça, je répète, l'idée, c'est de grouper toutes les plaies sur le dessus et de faire en sorte d'avoir des coursons qui nous fabriquent notre flux de sève l'année prochaine avec, regardez ici, le courson en bas, la baguette en haut. Je me retrouve avec un courson ici. Pas de problème. L'année prochaine, j'ai un courson et une baguette. C'est ça que je veux faire. Tout le monde va être d'accord que si je me retrouve avec ma baguette ici et mon courson en dessous, c'est hyper facile à tailler. Et l'année prochaine, comme j'ai ma baguette ici, j'enlève ma baguette, je me retrouve encore à faire une plaie sur le dessus. J'ai toujours pas fait de plaie sur le dessous. Mon courson vient ici, pas de problème. Je continue à faire côte sur côte sur côte sur côte. Et tous les ans, mon côte me produit ma baguette et mon côte. Il n'y a plus d'aléatoire. On y vient. Bon, est-ce que vous voyez le principe, hein? Ce principe-là qui est de se dire, si je veux plus réduire, je suis obligé de choisir un bois qui va être bien placé sur le flux de sève tous les ans, quoi, pour faire mon courson l'année prochaine. Donc la première des choses que j'ai... Oui. Là, on a positionné nos bois pour l'année prochaine. Après, au niveau bois, il ne peut pas supporter. Ben, on n'a pas trop le choix. Donc là, la baguette de l'année dernière, je l'enlève là. Mais là, on est bien obligé de faire... On est bien obligé de faire une baguette là-dessus et de voir si ça fonctionne ou pas. De toute façon, même si ça fait pas de fruits, ça fera au moins des feuilles pour avoir des fruits l'année d'après, quoi, hein.